Saucisse à vous, je suis Dédi et bienvenue sur la chaîne des Knaki. Nous sommes de retour sur Oddworld et on va enfin pouvoir terminer. Enfin, terminer pas de suite, mais avancer déjà, ce sera pas mal. Donc, on reprend là où on s'en était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire ici, hein, tout simplement. Je me rappelle plus exactement du nom du lieu. Il y a un slick qui est en train de dormir, on va pas le réveiller. Voilà, on va tranquillement passer. On va se mettre à courir, hop. Là, techniquement, il est censé avoir un portail en dessous, ouais. Voilà, faut attendre, ensuite on passe. Dans le portail. Et on va pouvoir aller dans une nouvelle salle secrète. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un live sur Twitch dont la rediff est disponible. Où justement j'ai fait les premières salles secrètes que j'avais loupées dans les premières vidéos. Il y en a un qui est un peu buggé là, ses pieds qui dépassent au travers de la plateforme. Voilà, et maintenant on va pouvoir appuyer pour les faire partir. Allez, tirez-vous. Bande de moches. Et là, maintenant c'est moi qui vais partir. Et voilà. Alors techniquement là on est encore dans l'enclos à bêtes. Donc c'est toujours la partie 2 en fait. On n'est pas passé encore à la partie 3. Désolé, je parle pas parce que je me concentre un maximum, mais genre vraiment un maximum. Je vais essayer de faire ça bien et le plus vite possible. Bon, c'est pas grave. Ah! Cours! Je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Mais bon, au moins je suis passé. Là, donc. Là, on passe ici. Oh, regardez. Je sais pas. Du coup, cette salle est un petit peu chiante, faut que j'attende que tout le monde arrive. Mais merde. Ça va être un petit peu compliqué. Là, voilà. Comme ça, ils restent tous en haut et moi, je peux les déglinguer.
Redonnez-moi des oiseaux, comme ça au moins je reste en vie. Alors, comme il me gêne un peu en passage, on va le tuer. Donc moi je veux plus qu'il reste un seul employé, hein. Enfin, le moins possible. S'il peut n'en rester aucun, c'est le mieux. Et pour l'instant, on a fait 0 victime, donc notre objectif reste atteint pour l'instant. On reste sur un score de 100% dehors. Ah là là, il veut là. Bah parfait, bah voilà. Il a réussi à faire éclater un slig avec sa propre bombe. Si ça c'est pas merveilleux. Enfin, avec sa propre bombe, avec la bombe de l'entreprise. J'ai été un peu fiancé, ouais, j'avoue que je stresse pas mal, pour rien sans doute, mais... Merde. Bah, de toute façon, il faut que je cours. Bon, bah c'est bon. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive et que je trace direct. Voilà, on a sauvé tout le monde, on récupère les piafs, hop. Ce serait bien si tu ne prenais pas les murs. On va le faire venir ici, on va le posséder, ensuite on va tuer l'autre. Voilà. Comme ça, c'est réglé. On va plutôt vite, hein, 14 minutes, je vois. On a dû faire à peu près la moitié de ce niveau. Ensuite... C'était pas là où il y en avait un. Il me semble que si. Hein. Faut que je descende tout en bas. Et on a récupéré des cailloux. Ensuite on va ici. Hop. Voilà, un gentil petit passage caché. Hop, on fait tout péter. Wouh! On fait revenir les oiseaux et on saute dedans. Ta 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 ta, super knacky. Je vais jamais y arriver parce qu'il faut que le timing il soit parfait et que tu fasses tout en fait. Donc là ça veut dire qu'il faut pas que mes boutons ils déconnent, il faut pas que je perde du temps, il faut pas que quoi que ce soit.
Faire ce niveau, c'est un peu comme... Voilà, on a réussi à passer, on est resté silencieux. On devrait aller voir la bombe et se faire exploser. Ouais, c'est bon. Ouh! Voilà, maintenant on va se faire le dernier Slig, parce que ça fait toujours du bien. Et parce que je suis tellement frustré et vénère. Ouais, maintenant on se casse. Putain, c'était long, hein. Je sais plus quoi dire. Je stagne sur une partie qui est censée être pourtant si simple. Et en plus, mon téléphone, il commence à ralentir. Qu'est-ce qui se passe? Attends, ça bugue, mais j'arrive à passer. Je crois que mon taille n'en peut plus, hein. Donc, là maintenant, on va passer là-dessus. Là, comme vous pouvez constater, il y a une espèce de... Je sais plus comment il s'appelle cela. C'est un genre de chien pas très très gentil. Quasiment indestructible. Du coup, là, il n'y a pas le choix. Voilà. Voilà.
Ah! Tu es où? Tu vas? Ah, je veux que tu tires ici. Plus. Voilà, on passe là-dedans. Ah mais non, je sais, c'est vrai. Mais oh. Je demande pas mon reste là. Ouais, je demande pas mon reste. J'avoue que j'ai trop galéré, beaucoup trop galéré. Vraiment, je peux pas là. Ah, du coup, maintenant, on remonte. On repasse par ici, voilà. Merde. Tu y es presque, c'est ça? Ok. Mais écoutez, on va continuer.
Bon, on va pas se gêner, on va courir, hein, tant pis, hop. Et on les a fait griller. Maintenant, on revient. Ça rame un petit peu là. Voilà. Ceux-là sont sauvés. Et on sort de là. Voilà. Donc là, techniquement, on a bientôt terminé. Ouais, techniquement, il faut la ferme à bestiaux. Donc là, techniquement, on a bientôt terminé la ferme à bestiaux. Et elle descend. Pour lui faire péter, donc il n'y a pas le choix là. Voilà. Et on peut récupérer à nouveau des cailloux si jamais il y a besoin, et c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Et là, je crois que. Que c'est la fin. Le saut de la foi, allons-y, ouais. Et voilà, on a enfin terminé. My paw. Then I fell down a cliff. And smashed my head. When some big face appeared and said I was dead. Said our land was changing. Was imbalanced at best. He told me my fate was to rescue the rest. For paramites and scrabs had been sacred once. That was before Rupture Farms turned them into lunch. And they live in the temples, and that's where they still nest. And facing these creatures, that was my test. Et voilà. Donc là, vous comprenez un peu mieux
l'histoire de Oddworld, le fait que Rapture Farms concrètement transforme les Mudokons en une espèce de limonade ou de bière, je sais plus trop, de l'espace, les Paramites et les Scrubs, les transforme en tourte en fait. Donc pour les Mudokons, qui étaient un peuple pacifique, qui vivait totalement en harmonie avec la nature et qui considérait ces bestioles-là comme des bestioles sacrées, vous imaginez bien que c'est un sort un peu triste. Donc nous, en tant que messie, on va devoir les délivrer tous. Voilà. Du coup, on a peut-être pas tué tous les employés qu'il y avait à tuer, mais on a sauvé tous nos camarades, donc je pense qu'on a déjà fait le principal. J'imagine qu'il va y avoir des succès à débloquer si jamais on tue tous les employés. Mais bon, ça ce sera à voir à la fin. Bon, du coup, nous on va s'arrêter là. Je pense qu'on a plutôt bien avancé. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo YouTube. Je vous conseille d'aller voir ma chaîne Twitch, je mettrai le lien dans la description. Ainsi que, je sais pas si vous connaissez Omelette Arcade, c'est une plateforme un peu comme Twitch pour les joueurs uniquement sur mobile. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Sur ce, c'était Lady sur les Knacky. À la prochaine.